J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les efforts engagés par l'Institut historique allemand pour la conservation de son patrimoine culturel. Je vais organiser mon intervention comme il suit. J'aborderai d'abord les projets de numérisation en contextualisant le cadre de leur réalisation et puis les partenariats aussi qui les ont permis. Pour passer ensuite au mode de réalisation, m'attarder quelque peu sur l'accueil, la réception de ces projets de numérisation et puis finir avec quelques remarques sur les enjeux de ces projets pour l'Institut et pour la recherche en sciences humaines en général. Donc le premier projet de numérisation de l'Institut a concerné la revue de la maison, Francia. Cette revue scientifique qui rassemble des contributions sur l'histoire de l'Europe de l'Ouest, l'histoire franco-allemande et française, a été créée en 1973. Et de sa création à 1989, elle paraissait annuellement, regroupant des contributions de médiévistes, modernistes, d'historiens contemporanéistes. Comme la somme de ces trois grandes époques devenait écrasante, la taille des volumes du moins, eh bien, il fut décidé de répartir la revue en trois livraisons annuelles, chacune dédiée à son époque. La numérisation de la revue Francia, elle est intervenue une convergence de deux moments. Enfin, c'est une innovation, disons, pas seulement pour l'Institut, mais ce fut aussi un projet mené en amont du lancement de la plateforme de publication scientifique Perspectivia. Et donc, c'est depuis 2008, date de mise en ligne de cette plateforme des instituts allemands en sciences humaines à l'étranger et de leurs partenaires, que la revue est partiellement consultable en ligne. Perspectivia, un projet financé par le ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche, est porté par la volonté des instituts allemands en sciences humaines à l'étranger y participant d'unir leurs efforts en faveur des échanges scientifiques autour de la recherche historique sur l'Allemagne, dans leur pays d'accueil, ou de chercheurs allemands sur l'histoire de leur pays d'accueil. Le vœu commun est clair, créer une meilleure visibilité de leurs publications et souligner le caractère international du réseau des instituts de la Fondation fédératrice des GIA. Les instituts représentés sur la carte, donc ici les instituts dont les acronymes figurent sur la carte, sont actuellement les instituts historiques allemands de Paris, Londres, Moscou, Varsovie, et puis des projets de numérisation sont en cours de réalisation pour l'Institut historique de Rome et l'Institut oriental de Beyrouth. Manquerait donc Tokyo et Washington. Mais c'est peut-être... c'est l'espoir... l'espoir fait vivre. Donc, voilà. Perspectivia est d'ailleurs destinée à accueillir aussi bien des contenus, alors je suis désolée, ça irritera les oreilles de certains ici, des contenus numérisés que des textes numériques en natif. Les types de publications regroupés sur Perspectivia allant du compte-rendu à la monographie, en passant par les actes de conférences, de colloques, les articles de revue, et de plus ouverte à d'autres formats que le format texte classique. D'ailleurs, je crois que la conférence d'aujourd'hui, c'est à l'étude, on verra si elle sera rediffusée sur le site. C'est donc dans le cadre de ces archives ouvertes à caractère institutionnel, en accès libre, qu'on retrouve la collection des numéros imprimés de Francia, accessible avec une barrière mobile de 2 ans, appelée Francia Retro. Donc il y a 2 volets à cette offre qui s'appelle Francia Online. C'est Francia Retro d'une part et Francia Recensio, l'ensemble des comptes rendus qui depuis 2008 ne paraît plus qu'en ligne. Mais je reviendrai plus tard sur les modifications qu'ont entraîné et permis notamment le lancement de Francia Online et le passage au numérique pour la revue imprimée. Pour compléter la description du cadre dans lequel les projets de numérisation de l'Institut sont implantés, il est nécessaire d'aborder les partenaires directs impliqués dans la réalisation des projets de numérisation. Donc, quel intérêt est commun ces partenaires, la Bayerische Staatsbibliothek München d'une part et les maisons d'édition de l'autre, partagent-ils avec l'IHA? Si la BSB assure à l'heure actuelle en priorité le suivi de la chaîne de numérisation des collections imprimées,
Elle s'engage clairement dans ce projet, entre autres avec la création de son centre de l'édiction électronique en avril 2007 pour le développement d'un corpus de textes électroniques en natif. Elle souhaite remplir quelque part un nouveau rôle en tant que bibliothèque, se faire le relais des maisons d'édition, en tant que garante d'édition scientifique en ligne de haute qualité. Donc, au sein du projet Perspectivia, la BSB assure naturellement l'archivage pérenne des contenus, ainsi que la classification et l'indexation des documents aux normes bibliothécaires. Et il faut faire remarquer que, en tant que bibliothèque en partenariat avec Google, pour la numérisation de masse d'œuvres libres de droit, depuis 2007, la BSB s'investit dans des projets de numérisation plus ciblés, comme celui en partenariat avec Perspectivia, parce qu'il concerne d'abord des œuvres sous droit, et puis que ces deux types de numérisation sont considérés comme complémentaires. Comme l'IHA, soucieux de traiter son cercle fidèle d'auteurs avec égard, la BSB est également attentive à opérer dans le strict respect des droits d'auteur, naturellement. Les maisons d'édition souhaitent pour leur part expérimenter l'impact de la diffusion en ligne sur la vente des collections de l'IHA. La maison d'édition Thorbecke a pu constater que le passage des comptes rendus de la revue Francia au numérique n'a pas eu d'effet négatif sur les abonnements à la revue. Elle serait d'ailleurs prête à revoir à la baisse éventuellement la durée de la barrière mobile de 5 ans pour les bail Hefte der Francia et pour la collection Instrumenta, deux autres projets de numérisation de l'Institut, si la mise en ligne devait se montrer aussi positive que pour la revue Francia. La maison d'édition Oldenburg, Wissenschaftsverlag, a de son côté autorisé Google Book à présenter partiellement les Pariser Historische Studien, collection publiée par l'IHA. L'accord inclut bien sûr que certaines pages manquent. Mais ce que j'entendais d'une éditrice et auteur, c'est que les auteurs, eux, n'ont pas on ne leur a pas demandé leur avis sur non. cette autorisation. Voilà, un petit détail qui fait un peu tache sur l'ensemble. Donc, la toute jeune collection Atelier de l'IHA, également publiée aux éditions Oldenburg, est pour sa part une publication hybride. Donc, imprimée par Oldenburg, elle est aussi disponible en accès libre sur le site de la maison d'édition. Et d'ailleurs, depuis que j'ai la dernière version d'Acrobat Reader, d'Acrobat sur mon poste de travail, j'ai pu constater à quel point l'outil est perfectionné de recherche et d'utilisation de la version numérique. Oldenburg souhaite par ailleurs développer prochainement une offre en ligne payante, entre autres des volumes de la Pariser Historische Studie, avant que ceci passe le cap de la barrière mobile négociée à 24 mois et soit disponible en accès libre sur le site Perspectivia. Alors, comment l'IHA reçoit-il ces initiatives? Eh bien, l'IHA ne peut que se féliciter que ces maisons d'édition, entre guillemets, soient prêtes à expérimenter dans le domaine du numérique et ne se ferme pas complètement à des projets de numérisation en libre accès et essaye d'élaborer de nouveaux modèles économiques compatibles avec une diffusion en ligne en libre accès. Je vous propose maintenant de visualiser brièvement les fonctionnalités de recherche fournies par Perspectivia. En partant de la page d'accueil du site, on peut accéder à Francia Online en naviguant, donc soit par le biais de l'Institut ou des publications. Voici donc la liste actuelle des publications disponibles sur Perspectivia, tout institut confondu. En troisième position, on retrouve Francia Online, constitué donc de Francia Retro et Francia Recensio, les deux volets de Francia Online. À souligner un point important en marge, en première position, pour répondre aussi à Pierre Mounier, on peut accéder à la collection Discussion, qui regroupe des textes électroniques en natif, issus des universités d'été qui se tiennent à l'Institut historique allemand. Donc c'est vraiment notamment ce mélange de contenus numérisés et de textes électroniques en natif et leur coprésence sur le site
Donc des textes électroniques en natif qui n'auraient pas forcément fait l'objet d'une publication papier, d'ailleurs sans enfreindre par ailleurs les standards de qualité éditoriale, qui rend la plateforme attractive aussi bien pour les utilisateurs, je dirais, que pour l'Institut lui-même. Je pense même que M. Dorgalo et la SPSG est également représenté ici avec des textes électroniques en natif en tant que partenaire de l'Institut. Donc on voit qu'il y a une ouverture aussi possible au-delà des instituts historiques allemands en sciences humaines à l'étranger. Donc discussion, voilà, ça se regroupe ces textes électroniques en natif. Avec la numérisation des numéros imprimés de Francia, l'Institut s'est résolu à modifier la périodicité de sa revue et le modèle de livraison pour répondre aux exigences du monde de l'édition actuelle. Tout d'abord, les comptes rendus se sont vus extraits de la parution papier de la revue. Depuis 2008, c'est en ligne exclusivement que l'on peut consulter les comptes rendus. Ce passage au numérique permet de diffuser plus rapidement les comptes rendus que leur parution imprimée ne le permettait jusqu'alors. Ce mode de parution étant plus adapté aux besoins de réactivité des chercheurs. Je n'ai peut-être pas besoin de vous le dire. En libérant la revue papier des comptes rendus, il était à nouveau possible de rassembler les trois livraisons annuelles et par époque en un seul volume annuel. De plus, des résumés en trois langues arrondissent à nouveau la revue papier. Cette valeur ajoutée n'aurait clairement pas été possible, par manque de place tout simplement, avant le passage d'une partie de la revue au numérique. Donc, alors que les articles soumis à la rédaction étaient auparavant évalués par un comité de lecture interne à l'Institut, depuis 2008, c'est un comité de lecture international avec des chercheurs externes à l'Institut qui émet son avis sur les contributions soumises. Avec le transfert au numérique, s'est opérée donc une restructuration de la revue imprimée qui lui permet un meilleur positionnement dans un monde de l'édition en mutation où la compétitivité est croissante. Et justement, l'intégration d'un système peer review d'évaluation des contributions me semble répondre aussi aux exigences publiques grandissantes de mesure de l'impact des revues scientifiques. En ce qui concerne Francia Retro, la collection donc des numéros imprimés de la revue qui sont numérisés, un accord a été passé avec la maison d'édition Thorbecke. Les volumes plus récemment parus sont protégés par un embargo de 2 ans avant qu'on procède à leur numérisation et mise en ligne en accès libre. Ici, le volume 25 de 2008 regroupe en avant-poste les résumés des articles de ce volume qui ne sera accessible en intégralité qu'après expiration des 2 ans de barrière mobile. C'était un vœu de la rédaction qu'on a enfin réalisé du côté de Munich et de Godesberg. Voilà. Et si on souhaite par ailleurs consulter un article au sein de Francia volume 33.3, on obtient d'abord le contenu de ce volume sous Perspectivia. Au prochain clic, on est encore sur le site de Perspectivia, mais en activant le lien, on parvient à la résolution en format feuilletable de l'article hébergé dans la base de données CENT, Centrale Erfassungs- und Nachweisdatenbank für Digitalisate, de la Bibliothèque d'État de Bavière. Donc, l'utilisateur peut, à cet endroit, également générer lui-même un document PDF des pages qu'il sélectionne. Il faut dire qu'à l'avenir, des documents statiques au format PDF seront directement accessibles depuis le site Perspectivia et cela concernera par exemple les autres projets de numérisation de l'IHA en cours de réalisation auxquels je compte revenir. Mais on n'accède pas seulement au contenu par le biais de la navigation. Perspectivia permet une recherche ciblée de l'ensemble des textes qu'elle héberge. Les métadonnées de chaque texte sont d'une part recherchables et le champ réservé à une recherche simple renvoie d'autre part aux occurrences dans le texte intégral de l'ensemble des documents. Une fonction de recherche intéressante est l'apparition automatique d'une liste box des 10 entrées correspondant le mieux aux mots-clés recherchés. Ici, par exemple, pour le terme migration, on peut opter soit pour un des 10 résultats les plus occurrents ou s'en reporter à l'ensemble des résultats. Donc, pour le mot-clé migration, ce sont 208 entrées.
Et une indexation par le biais des mots-clés est en cours, donc on retrouvera prochainement, à la suite des onglets Instituts et Publications, un accès époque et thème qui permettra une navigation dans l'ensemble du corpus des textes. D'ores et déjà, Perspectiva est bien référencée dans les moteurs de recherche et bénéficie d'un page ranking de 6 points par Google. Mais là ne s'arrête pas la contribution de l'IHA à la constitution du fonds sous Perspectiva. J'ai déjà évoqué la collection Discussion. Les autres projets de numérisation en cours de réalisation concernent les collections imprimées de l'Institut, by EFTA der Francia, Pariser Historische Studien, Instrumenta, et puis il y a également la numérisation de la collection Gallia Pontificia qui est en prévision ou à l'étude. Donc, quand des efforts sont engagés pour la numérisation d'une collection et son référencement, et le coût de l'édition électronique en libre accès n'étant pas minime, les partenaires de ce projet sont à l'écoute des retours des usagers. Or, quel accueil les chercheurs, auteurs et lecteurs confondus, réservent-ils à la nouvelle offre en accès libre ? La première étape du chantier de numérisation qui permet d'évaluer l'accueil qui sera fait à une collection est indéniablement la phase de clarification des droits d'auteur. Pour l'Institut, comme pour son partenaire, je l'ai déjà souligné, la Bayerische Staatsbibliothek, c'était essentiel d'opérer avec le consentement des auteurs. Pour la revue Francia, un seul auteur s'est opposé à la numérisation de son article. Pour les autres collections de l'Institut, les proportions sont similaires. On a un seul auteur des Bayerische Staatsbibliothek qui n'était pas en mesure d'accéder à notre demande de numérisation, et pour la collection Pariser Historische Studien, c'est actuellement aussi seulement un désistement. Donc, à côté de cela, nous avons reçu des réactions très encourageantes et je pense qu'on peut en déduire que malgré le débat controversé autour de l'open access et parfois très provocateur et scandalisé, si on se réfère aux prises de parole des initiateurs de l'appel de Heidelberg en Allemagne, eh bien, les chercheurs reconnaissent sans hésitation l'intérêt de la rediffusion des travaux de leur recherche en libre accès et se rallient massivement au projet de numérisation de l'Institut. Un autre biais pour évaluer l'accueil réservé à l'offre en ligne, une fois diffusée, passe également par les statistiques des visites sur le site. Donc, 30 000 différents utilisateurs ont consulté les comptes rendus en ligne de Francia Recensio pour l'année 2009. Et pour Francia Retro, la revue numérisée cumule 105 000 différents utilisateurs pour 2009. Et donc, vu la proportion de l'offre, Francia Recensio regroupant moins de textes, on peut reconnaître par là que finalement l'édition électronique en natif, c'est ça qui est le plus demandé. C'est un jeu des deux corpus, mais au niveau des chiffres, c'est à rebalancer. Hein. Nouvelle intéressante, aussi transmise déjà à l'automne dernier par M. Gross dans le cadre d'une journée d'études sur les revues scientifiques médiévistes, et que le nombre des abonnements à la revue Francia n'a pas baissé depuis la mise en ligne des comptes rendus et la numérisation des volumes imprimés. Au contraire, on constate même un léger redressement de la courbe des ventes d'abonnements et de numéros à l'unité, alors que la tendance était plutôt à la baisse depuis quelques années. Donc pour conclure, je souhaiterais revenir sur le choix de l'Institut de présenter ses collections numérisées dans le cadre d'une plateforme de publication numérique regroupant les travaux et les collections des instituts allemands en sciences humaines à l'étranger, plutôt que de rejoindre d'autres archives ouvertes. En Allemagne, les archives ouvertes à caractère disciplinaire sont définitivement sous-représentées, donc on a une autre situation qu'en France. Il n'y a pas d'équivalent à ALCHS, cette archive ouverte des sciences humaines de l'homme et de la société. Donc, il existe de nombreuses archives ouvertes à caractère institutionnel, c'est-à-dire reliées à une université, hein, qui regroupe des thèses en chimie, en histoire, enfin de toutes les disciplines, en gros. Et on voit bien que ce n'est pas particulièrement valorisant pour les sciences humaines d'être mise en ligne dans un contexte comme ça, avec un temps de retard par rapport aux sciences dures. Enfin, c'est pour ça que, finalement, présenter ces collections sur Perspectiva, c'est faire le choix d'archives ouvertes à caractère institutionnel et disciplinaire, donc ce double volet. Un autre point,
que j'aimerais souligner, c'est que se lancer dans une politique éditoriale primant le numérique pour permettre une plus large diffusion des résultats de la recherche, c'est prometteur, c'est gratifiant, etc. Mais un projet de numérisation s'arrête-t-il à sa mise en ligne ? En considération de la masse de contenu publié sur le web et du risque très concret de sombrer dans le web invisible, il y a nécessité pour les éditeurs de contenu scientifique de ne pas se contenter d'une politique de numérisation autosuffisante, je dirais, mais d'attirer l'attention sur les contenus mis en ligne. D'ailleurs, une recommandation qui a largement été retransmise dans le cadre de la première université d'été de l'édition électronique ouverte du Cléo en septembre dernier, représentée donc par Pierre Mounier cet après-midi. Et puis, ce devoir, en amont et en aval d'une publication en ligne, de faire du bruit sur la toile, c'est-à-dire ne pas attendre qu'on vienne sur votre site, mais de faire en sorte qu'on parle de votre site en d'autres lieux du web, social, de manière à élargir le public traditionnel. C'est ça aussi l'enjeu, je pense, de l'open access. C'est pas de servir toujours le même public, mais de voir à élargir son auditoire ou son public. C'est une préoccupation qui est partagée d'ailleurs de plus en plus par les représentants de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, une fondation allemande soutenant de nombreux projets en libre accès. C'est pourquoi l'Institut participe actuellement au développement aussi d'un autre instrument de travail pour les chercheurs en sciences historiques en Europe, recensio.net, un site qui regroupera des comptes rendus de publications en sciences humaines de tout type et qui invitera les chercheurs au dialogue en ligne sur les travaux de leur recherche. Et je suis certaine que ma collègue munichoise, Lilia Nandes, qui est en charge de ce projet, aura certainement l'occasion de venir vous présenter ce beau projet à Paris. Le nouveau métier de l'édition électronique ouverte comprend aussi un engagement pour la diffusion de l'offre mise en ligne au-delà de la numérisation. Si on considère l'histoire du livre et de l'imprimé, cette nouvelle aptitude à faire du bruit sur la toile tient un peu, je dis un peu, de l'ancestral colportage. Et l'ère digitale serait donc peut-être aussi un retour aux sources au niveau des pratiques. Je souhaiterais conclure cette présentation des produits maison de l'IHA en insistant sur le fait que l'Institut se positionne par là en acteur de l'open access. Ces projets de numérisation sont marqués par la volonté d'expérimenter et de pratiquer en partenariat l'open access. Le débat et les réflexions de ce colloque prolongent clairement cette implication avec l'intention de contribuer à l'essor de l'open access au sein des sciences humaines et pas seulement ici et outre-Rhin, traditionnelle amplitude de l'Institut au cours de ses premières décennies. Donc on voit bien que la politique éditoriale numérique de l'Institut lui crée une ouverture internationale. Voilà, merci.